Le Trail Verbier Saint-Bernard, pour moi, c'est la course de l'été sur laquelle je me concentre le plus. Après, je fais des petites courses de montagne quand j'en ai le temps et quand j'ai la motivation. Et l'hiver, je me concentre beaucoup sur le ski alpinisme. Je fais beaucoup plus de courses l'hiver que l'été. C'est pour ça que l'été, j'y vais au feeling. Je regarde comment je me sens la veille des courses. Si je suis motivée, je me lève le lendemain. Si je suis pas motivée, je reste au lit. Alors, je m'appelle Chloé Format, j'habite à Orcières, j'ai 17 ans et cette année je vais participer à la course Lead Verbier. Oui, aujourd'hui on est dans un monde stressant entre le travail, tout ce qu'on doit faire, tout ce que la société nous demande de faire et puis. Le fait de pouvoir courir en montagne, c'est, pour moi, ça me ressource, ça me recharge les batteries parce que on a de l'air frais, des beaux paysages, puis il n'y a pas les voitures, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, c'est juste soi-même avec la nature et c'est juste. Je pense que c'est ça que recherchent les gens, c'est de revenir un peu à la source et puis retrouver un peu la nature qui devient de plus en plus rare ces jours-ci. Je m'appelle Els, j'habite à Orcières et cette année je participe à la traversée. Ouais, donc j'ai décidé de participer au trail parce que d'abord c'est à côté de la maison donc je ne peux pas vraiment me permettre de pas y aller. Puis c'est un parcours qui est super technique, super difficile donc un beau défi à relever. Je suis David Jacquer, j'ai 28 ans, je fais le X-Alpine et je suis de Champ-d'Olan. En fait, avant, je faisais plutôt de l'alpinisme et c'est assez dangereux. J'ai pris pas mal de risques et j'ai eu un accident d'avalanche et après je me suis plutôt orientée au trail parce qu'on prend moins de risques, on reste quand même sur les chemins mais on a quand même ce beau paysage qui défile quand on court en montagne. Bon, ce qui m'a amené à faire du trail, en fait, j'ai commencé par faire de la course plutôt sur route, puis après, je me suis dirigé vers le triathlon. Mais bon, le triathlon, c'est un sport très matérialiste et tout, puis ça m'a un peu dégoûté. Puis je crois, avec le trail, j'ai trouvé un sport justement qui me permet de faire du sport d'endurance en toute simplicité, puis dans des cadres qui sont absolument magnifiques. Je fais du trail depuis maintenant 3 ans. J'ai participé il y a 3 ans à mon premier trail ici à Lyd. Cette passion elle est venue de mon papa et de mon grand-papa qui ont couru des trails pendant toute ma jeunesse. Tous les étés, je les suivais sur les différents trails. Le plus long qu'ils ont fait, c'est l'UTMB. C'est sûrement le plus dur. Et c'est tout naturellement que cette passion elle est venue en les suivant, en les encourageant. Et après, c'est eux qui venaient m'entraîner. Ils m'ont donné des petits conseils et j'ai voulu reprendre le flambeau et voilà. Donc le plus bel atout, je crois, de cette course, en fait, c'est le parcours. C'est un parcours très, très alpin, très sauvage. Je crois qu'ils ne se sont pas gênés pour nous faire passer à des endroits qui seraient peut-être jugés dangereux sur d'autres courses, mais là, on va en avoir plein les yeux, plein les jambes et on va bien s'amuser.
des trails, je ne pense pas que c'est un effet de mode. Je pense que les gens cherchent de plus en plus les jolis coins qui deviennent de plus en plus rares. Et du coup, pouvoir faire du sport dans des endroits comme ça, c'est ce que les gens vont chercher de plus en plus. Et je pense que ça va encore évoluer. Oui, je pense arriver à Verbier vers les 19h, à l'heure que j'ai prévue. C'est à peu près l'heure que j'ai mis les deux dernières années, alors j'espère faire un petit peu mieux. Je dirais j'ai plus vraiment d'inquiétude par rapport à mon genou, donc je crois que ça va tenir. Puis après, c'est la même plan, c'est de faire ma course à mon rythme puis de voir ce que ça donne. Je me sens un peu stressée. J'essaie de me calmer. Cette nuit, ça va être dur pour dormir. Mais après tout, maintenant, avec toutes les préparations que j'ai faites, je ne peux pas faire mieux, donc on verra demain. Vous allez, dans quelques instants, rentrer dans la légende. Welcome. Ouais, donc la nuit dernière, j'ai réussi à dormir quand même au moins 4 heures, puis là je suis frais, dispo et ça devrait bien aller. En fait là, c'est surtout, on a hâte de partir, je suis prêt, puis là c'est un peu, justement, c'est long à attendre les dernières 30 minutes, mais une fois que c'est parti, c'est parti. J'essaie de me calmer un maximum. Il fait beau, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Tout est parfait pour partir. J'ai hâte de partir là. Je suis assez excitée pour. On va voir comment ça se passe. Puis... bien, étonnamment, je suis pas trop stressée. Ce matin, j'étais debout très tôt, mais j'ai fait un peu le tour de la vallée, aller voir le départ à la folie, voir les premiers passés, mais ça va, je me sens bien, je me réjouis que le départ y soit donné. Bon, mon objectif pour aujourd'hui, c'est aux alentours des 6 heures, j'espère. Un peu moins que l'année passée, mais il fait très chaud, alors on verra comment ça va aller sur le parcours. Je fais du trail parce que j'aime beaucoup la montagne et que mes parents, depuis petits, ils faisaient aussi beaucoup de courses dans la montagne, telles que l'UTMB ou d'autres courses comme ça. Pour le moment, j'ai 60 km et c'est bon. J'en fais un autre à 80 km plus tard dans l'année, l'année prochaine peut-être, dans 2 ans, l'X-Alpine, oui. Ouais. C'est déjà un challenge, c'est-à-dire qu'on peut déjà aller jusqu'au bout d'un trail de ce format. Puis aussi, découverte un peu de soi-même. Un voyage où on va alterner des phases où on est bien, on est moins bien, une gestion de la course. En fait, j'ai 4 enfants, je m'entraîne un petit peu comme ça en semaine. Puis en fait, c'est 1 ou 2 sorties que je m'octroie par année à l'extérieur. Et puis c'est un jour pour moi où je peux aller me libérer la tête dans les montagnes. Et je vais courir au Trail de Verbier parce que c'est une course magnifique. Et que je cours également pour m'engager auprès des enfants de Syrie et auprès de la sécurité de la défense civile syrienne qui font un travail magnifique pour aller chercher les gens sous les décombres après les bombardements. Alors je pratiquais le foot et le jour où j'ai arrêté, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. J'allais déjà souvent régulièrement en montagne et je me suis dit pourquoi pas essayer ça. J'ai essayé, ça m'a plu, alors j'ai continué. Puis je suis là aujourd'hui.
Ah, je suis du coin, alors à force de voir les copains, à force de s'entraîner avec, un jour on a quand même envie d'y goûter. Ah bah, c'est une course mythique dans le coin, elle est super belle. Cette année on a la chance d'avoir le beau temps, donc j'espère qu'on va passer un bon moment, une bonne journée. Hey David, salut. Ça va? Ouais, un peu plus lent que prévu, mais... Un tout petit peu. Il va à mon rythme. Il y a Laetitia et Tania qui sont juste là. Ils sont quoi, 30 minutes devant, le premier ou... Ouais, parce qu'à ton manger, t'es passé le premier. Ouais, puis au Katang, au Sénèque. C'est parti tranquille. Maintenant, on va essayer d'accélérer un peu. Ça va déjà mieux, le stress est descendu. Alors, on va pour la suite. C'est dur là. Ouais, il faisait chaud dans la montée, là, complètement explosé. Clôture de cette première féminine de l'élite dernier, catégorie. Je me sens parfaitement bien, enfin à l'arrivée. Il a fait vraiment chaud sur la montée de 1000. La première demi-heure, j'ai vraiment souffert, mais après, j'ai réussi à prendre un bon rythme. Et puis, je suis dans mes objectifs, alors je suis super contente. Je suis contente parce que je suis arrivée avant minuit, là il est 11h moins quart. Donc je suis vraiment très contente, c'est ce que j'avais prévu d'arriver entre 10h et midi. Et 10h et 11h. Bah, disons, le début de la course a été super, je me suis bien amusé. Je suis passé au sommet du Katang avec Jules-Henri Gabiou, puis on s'est bien amusé, on a fait la descente tranquille, puis c'était parfait en fait. Jusqu'à la folie, je me sentais super bien. Après, j'avais un peu chaud, mais je croyais qu'elle allait revenir en fait. Souvent, ça va mal, puis on revient, mais là, impossible. C'est une des épreuves les plus dures qu'on peut trouver en montagne. C'est un parcours extraordinaire et ça va prendre tous les plus beaux sentiers de la région. Et puis c'est une aventure. Trop beau.